En cette période de fête fin d'année, l'Association congolaise pour le bien-être familial a focalisé son action sur la sensibilisation des citoyens sur les méthodes contraceptives modernes en vue d'une meilleure prévention des grossesses non désirées, mais aussi du VIH-Sida. Une campagne qui s'est déroulée entre les CSI de Vungu dans le 3e arrondissement et de Mvumvu dans le 2e. Le but de cette campagne était simplement dire à la population qu'actuellement il y a des possibilités d'espacer les naissances des enfants ou encore quoi, s'attendre ou encore la personne elle-même d'abord. Si par exemple je veux avoir un enfant avec ma femme pour éviter d'avoir des grossesses non désirées ou encore des enfants auxquels on ne s'attendait pas, mais plutôt prévoir avec mes besoins appropriés ou encore s'attendre au moment voulu. Cette campagne a permis aux animateurs de faire le porte-à-porte pour corriger certains préjugés souvent enregistrés sur l'utilisation des méthodes contraceptives rejetées par bon nombre de femmes. Au terme de 3 jours de sensibilisation, les animateurs se disent satisfaits. Ce qu'on peut faire au terme de cette campagne, c'est que dans cette zone-là, où nous avons été ici à Vungu, on a eu à croiser tellement de cas et on a eu à aider tellement la population de cette zone-là sur plusieurs problèmes qu'on a eu à croiser. Et il y a même d'autres populations, d'autres personnes qui ont dit que si à l'avenir, ils pouvaient encore revenir pour nous aider parce qu'on a eu à croiser tellement de cas ici. Rappelons qu'il existe plusieurs méthodes contraceptives parmi lesquelles les pilules, les injectables, les implants, les spermicides et le préservatif.